L'entraide, ça donne des ailes. Découvrez chaque mois nos meilleurs conseils pour vous aider à prendre soin de la personne que vous aidez. Aujourd'hui, nous nous intéressons à vos articulations souvent mises à rude épreuve par votre quotidien d'auxiliaire de vie. Qu'est-ce que l'arthrose ? L'arthrose est une maladie articulaire qui conduit à la destruction progressive du cartilage, ce qui provoque des douleurs articulaires, des courbatures ou des raideurs matinales. Toutes les articulations peuvent être concernées par l'arthrose, mais elles touchent le plus souvent les mains, les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Comment soulager vos douleurs liées à l'arthrose ? Souvent liées à l'âge ou l'hérédité, l'arthrose peut être favorisée par le mode de vie. Excès de pression sur les articulations, port de charges lourdes, mouvements répétitifs, le métier d'auxiliaire de vie est exposé à cette maladie. La bonne nouvelle, c'est que soulager la douleur et limiter la progression de la maladie est possible. D'abord, rappelons que pour limiter la survenue de douleurs liées à l'arthrose, il est recommandé de pratiquer une activité physique adaptée et d'adopter une alimentation équilibrée. Cela permet de lutter contre le surpoids pouvant aggraver l'arthrose. Pour ménager vos articulations, il est recommandé de soulever les charges lourdes avec précaution, de porter des semelles orthopédiques en cas d'arthrose du genou et de se tenir droit pour protéger sa colonne vertébrale. Pour calmer la douleur, appliquer du chaud avec une bouillotte sur l'articulation est souvent efficace. Le froid, quant à lui, est idéal pour lutter contre l'inflammation qui survient lors de poussées de la maladie. Enfin, n'hésitez pas à parler de vos douleurs articulaires à votre médecin. Un examen de vos articulations et la prise de médicaments adaptés permettront de soulager l'impact de l'arthrose sur votre qualité de vie. Vous connaissez maintenant l'essentiel sur l'arthrose. Il ne vous reste plus qu'à mettre ces conseils en pratique pour vous ou à les partager autour de vous. Une minute, c'est court, mais c'est suffisant pour améliorer le quotidien des personnes que vous aidez.